Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version Ruby en mode Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui, on va continuer cette magnifique aventure en espérant qu'on va perdre 0 Pokémon, ça serait énorme. Et on rentre tout de suite dans une maison, on te regarde, 3 petits points. Voilà, et on a vu un truc briller ici. Hein, grrr, comment tu sais que je me cachais derrière cette table, tu as l'œil. Ok, voilà. Et donc c'est l'homme le plus mystérieux de la région ON. Et donc il s'appelle le maître des pièges. Ah ah ah, enchanté de te rencontrer. Toi aussi tu viens relever le défi de ma maison des pièges, n'est-ce pas? Ok, voilà. Et en gros, on a un défi. Et à chaque fois qu'on va battre une arène, on pourra revenir dans cette maison faire un nouveau défi. Donc c'est plutôt sympa, moi j'avais bien aimé. Et donc on va commencer tout de suite parce que c'est cool, parce que ça va nous faire XP. Et c'est ça le gros avantage de cette maison. Grâce à Coupe, je viens d'apprendre à faire vaincre de ma lame. Ok, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Alors, combat est lancé par Fillette Sally. Oh, ben Mystherbe niveau 16, tranquille. Oh, on va lui faire un petit flamèche, il va rien comprendre à sa vie. Quoi? Même pas one shot, putain. Oh non, vas-y, parasport. Putain, mais qui me fait chier. Non, sérieux. Vas-y, doux parfum. Allez, ouhou, c'est la fête. Ok. Voilà, c'est bon, il est mort. Et ok, on l'a battu. Bon, on va devoir aller se soigner, c'est un peu con. Donc bah comme dans le dernier épisode, c'est toujours l'endroit où il y a que ces satanés gens qui te paralysent. Là ça fait chier un petit peu. Mais bon, faut faire avec. Donc ce qu'on va faire, on va acheter des antiparas. Ouais, ça peut être pas mal, on va acheter des antiparas. Voilà, antiparas. On va en prendre 5. On va reprendre des antidotes, on va en prendre 3. Et on va reprendre des super potions, on va en prendre 7. Voilà. Et on va prendre des potions, on va en prendre 2. Et voilà, et on est ruiné, on n'a plus de fric, on n'en a plus que 36. Au pire, on s'en fout parce que ça va nous servir à rien après. Mieux vaut dépenser de l'argent que de perdre le Nuzlocke hein, quand même. Alors... Donc ok, on soigne nos Pokémon parce que bah Poulet il est paralysé. Ok, allez, on y va. Alors j'aimerais bien que Yengra il évolue dans cet épisode parce qu'il évolue niveau 18 donc et il est niveau 13 je crois là. Ouais, donc bientôt. Voilà, hop, on re-rentre. Alors on l'a déjà battu, normalement on la recombat pas hein. Je crois pas qu'on... Non, on recombat pas, c'est... Ouais voilà, on la recombat pas. Donc pour l'instant en fait plus ça va, plus les énigmes elles sont compliquées. Parce que oui c'est des énigmes. Donc là pour l'instant c'est très facile. Donc on va prendre l'objet qu'il y a là. Ok, lettre orange. Je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est une lettre, mais je sais pas en fait comment on les utilise. Enfin bref, au pire, on s'en fout parce que ça sert à rien les lettres. Allez, donc on continue, on coupe tous les arbres, il y en a plein. Mais bon, faut tous les couper. On va couper lui pour faire le combat. Allez, mais qui est le maître des pièges? Ok, bon. Allez, j'espère qu'il va monter de niveau, notre Yengra. Ah, ça va, il y a 3 Pokémon. Ça va bien les faire XP. Allez, Flamèche. Oh, mais non, mais... Bah, sérieux, il doit lui rester un PV, là. C'est n'importe quoi. Ok. Oh non, un Marill. Ouf.
C'est vrai qu'il est que niveau 14. Ou pistolet à eau. Ou ça fait mal. Eh ben non, ça fait pas mal en fait. 5 PV. Il est trop nul, Maril, c'est pour ça. Il vaut rien. Ok, c'est bon. Et Balignon, bah Balignon, j'ai envie de dire, il est mort. Voilà, au revoir. Et on va monter niveau 22. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ben non, même pas niveau 22. Par contre, il y a une gra niveau 14. Ok, c'est cool. Donc maintenant, on va aller par là. Ok, on fait coupe. Par là, ah ça coule, il y a un dresseur là. On va monter niveau 22 comme ça. Ouais, il n'y a pas d'autres dresseurs après lui. Et ça c'est pas très cool. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, Zigzaton, niveau 14. Bon, on va lui faire Flamèche, hein. Allez, one shot. Ça, c'est fait. Il est trop cheat, là, mon poulet. Personne ne peut résister à la puissance du poulet. Ok, Zigzaton. Bah, one shot, lui aussi, hein, je pense. Normalement. Eh, bah non, lui, il a résisté. Coup de boule. Ok, ça fait rien. Et il est mort. Ok, donc on l'a battu. C'est parfait. Parchemin. Ok, donc il y a un code qui est écrit sur le parchemin. Et c'est tout simplement ça qu'on va devoir utiliser pour finir ce niveau. Ce premier niveau de la maison des pièges. Hop, on le coupe. Bon, il y a plein d'arbres à couper. Ça, il en reste plus que deux. Hop hop hop. Voilà. Et maintenant qu'on a le parchemin, on va pouvoir ouvrir la petite porte qu'il y a au fond. Il écrit le code secret sur la porte. Le maître des pièges est formidable. La porte s'ouvre. Et voilà. On a fini le premier niveau. Ah, tu m'as trouvé. Tu as l'œil. Il m'a fallu toute la nuit pour planter tous ces arbres. Tu es presque aussi balèze que moi à 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits près. Excellent, tu as gagné cette récompense. Super bonbon. Ouh, c'est pas mal ça. Épargne-moi ce sourire narquois. Ok, on s'en fout. Je vais te trouver un nouveau tour pour te coller. Après, tu pourras te moquer. Ok. Donc, bah, on va voir si, si le niveau 2 il est débloqué ou pas. Je pense, parce qu'on a fait deux arènes. Donc, logiquement, il y a deux niveaux. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr en fait. Ah non, on peut pas. La prochaine fois, j'utiliserai ce truc, cette ruse aussi et cette feinte. Ouais, ok, quand il dit ça en fait, c'est que c'est qu'on peut pas, qu'il a pas encore qu'il a pas encore le deuxième niveau de débloqué. Ok. Donc on va aller les soigner. On va aller les soigner. Et ouais. Hop, on les soigne. Ok, c'est bon, on les a soignés. Ok, merci, à bientôt. Alors on va voir un petit peu combien d'XP il lui faut encore à lui. Ah oui, il lui faut pas mal d'XP pour monter de niveau maintenant. Ouais. Alors. Alors toi tu dis quoi? J'ai pas de vélo alors je me balade dessous, ok. Ok, un dresseur, c'est cool. Ça va faire XP. J'ai trouvé des Pokémon sympas dans les herbes aux alentours.
Ah oui, au fait, j'ai pas regardé un truc, j'ai pas regardé si c'était une nouvelle route, ça. Parce qu'il faut que je regarde, parce que si c'est une nouvelle route, on pourra capturer un Pokémon et ça sera plutôt pas mal. Donc allez, Flamèche. Ça sera surtout très utile, je pense. Ok. Galekid, bah ça va, Galekid, Flamèche. Hein, pourquoi ça le... c'est pas super efficace? Parce qu'il est peut-être aussi type roche. Ouais, il est acier et roche. Ouais, c'est pour ça. Et un Dynavolt. Ouh, faut faire attention à lui, hein. Il est pas... il est pas si nul que ça. Ah bah si, en fait, one shot. Lol. Ah, il est pas monté de niveau, Yengra. Muscle le plus, ok. Juste, je vais voir combien il lui manque. S'il lui manque presque rien. Ah, il lui manque 13. On va le mettre en premier. Ok, puis bah on va faire le... on va tuer Snegapi du coup. Parce que je veux aller les soigner en fait. On va faire morsure. Oh non, ok, j'éclaire. Cage éclair. Ah, c'est pas cool. Coup critique. Ouh. Attention. Ok, coup de main, ça sert à rien. Ça marche que pendant les combats en double. Allez, morsure. Coup de main, ok, ça sert à rien. Allez, plus qu'une attaque morsure et on est bon. Oh non, mais il est même pas mort. Bon, allez, cette fois, il le tue. Bon. Voilà, c'était juste le temps de le tuer. Vite fait. Hop là, niveau 15. Hop, voilà, on va aller se soigner. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Prends nos Pokémon. Ok, c'est parfait. Et merci d'avoir entendu. Vos Pokémon sont en super forme. Ok, à bientôt. Et voilà, donc on va remettre Poulet en premier. J'espère qu'il y a un autre dresseur en fait. Ça serait sympa qu'il y ait un autre dresseur. Ok, donc j'ai bien regardé, on n'a pas changé de route, donc je pouvais pas en capturer. Donc bah on va faire fuite, hein. Ok, il n'y a pas d'autres dresseurs en fait. On va devoir affronter Flora. Allez, c'est parti. Salut Crawler, ça faisait longtemps. En cherchant d'autres Pokémon, j'ai permis aux miens de devenir plus fort. Alors, que dirais-tu d'un petit combat? Allez, c'est parti. Donc elle a 3 Pokémon. Baligneon, niveau 18. Ouh. Déjà Baligneon, ça va, ça va pas être trop compliqué. Sauf si nous paralyse, ce serait vraiment embêtant. C'est ok, c'est ce qu'il a fait. Donc on va se soigner tout de suite pour pas qu'on se fasse toucher par un Pokémon trop puissant après. Antipara. Ok, c'est bon, il est plus paralysé. Ok, charge, ça fait pas mal, c'est bon, on peut le tuer. Baligneon niveau 18, c'est fait. Allez, on y croit les amis, on y croit. Alors, Flobio. Alors là, c'est le moment où je vais sacrifier un Pokémon. Attendez, on va regarder ce qu'il a lui. Gaz toxique, ça fait quoi? Enveloppe toxique, peu empoisonné, c'est même pas sûr. Bâillement, ah ça c'est utile, on va faire ça. Mais on va sacrifier lui avant. On va faire crocolarme, comme ça, ça va baisser sa puissance. S'il nous tue pas.
Donc déjà intimidation, ça baisse son attaque. Ok, tir debout. Ok, donc Casse-Noix il est mort, donc on s'en fout, de toute façon lui il était nul. Allez, Gloopty, t'es celui qui va faire que je vais gagner. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Oh oui, magnifique les amis. Ouh, magnifique, c'est magnifique ce qu'il a fait le Flobio là. On va pouvoir le démonter. Il a fait la plus grosse connerie qu'il aura jamais dû faire. Yes! On va le démonter avec notre Graiena, enfin Mediena. Oh, vous êtes pas sérieux là. Ok. Alors là, maintenant, le truc, c'est qu'on va faire des potions. Est-ce que... Attendez. On va voir combien de... ouais, 6 potions normales, ça va suffire. Ok. Allez. Maintenant, le truc, c'est qu'on va se soigner jusqu'à ce qu'il loupe une attaque. Ça va, on a pas mal de potions, il va bien finir par louper. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ah, il a pas envie de louper, hein. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Franchement, on y croit, je suis sûr que c'est faisable. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Ouais. On va gagner, les amis. On y croit. Allez, poulet. Poulet, t'es trop cheaté. Poulet, je crois en toi. On fait puissance. Allez, c'est le moment de faire puissance. C'est le moment ou jamais. Allez, allez, poulet. Tu vas défoncer ce Flobio. Allez, poulet. On croit en toi. Allez, poulet. Allez, allez. Allez, poulet, je crois en toi, là, tu vas gagner. Allez, faut qu'il rate sa attaque, là. Allez. Franchement, les amis, y a moyen. Oui, il rate son attaque, magnifique. Allez, magnifique. Allez, magnifique. Oh oui, coup critique. Ouh, magnifique les amis. Ouh, on est super bien parti. Poulet, poulet, je t'aime, tu vas gagner. Allez, poulet. Ouh, il va se calmer lui, hein. Allez, 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 on y croit. Allez. On y croit jusqu'au bout là. Oh oui, il rate son attaque, c'est magnifique les amis, on va gagner. Allez, prends-toi ça, prends-toi un bon pic-pic dans la tête. Non, elle va mettre une potion. Je suis sûr qu'elle va mettre une potion. Ah non, même pas. Ouf. Elle met pas de potion. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Yes, il rate son attaque. Oui, on l'a tué, on a tué ce Flobio. Oh oui, les amis. Oui, magnifique. Oh.
Oh putain. 612 points d'XP, poulet niveau 23, magnifique. Oh, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Du coup, on va mettre ça. Non, on va mettre Soda Cool, c'est mieux. Ok, bon, Chamallow, par contre, ça va être facile. Hein. Il a pas ampleur niveau 18, c'est pas possible. Ouh, coup critique. Oh, poulet, je t'aime. T'es cheaté, t'es surcheaté, poulet. Oh oui, c'était magnifique. Magnifique combat. Bon, on a perdu des Pokémon, mais la victoire est à nous. On a gagné. Poulet, je t'aime, t'es trop cheaté. Ouf, mince, tu as un meilleur niveau que je ne le pensais. Crawler remporte 1200 Pokédollars. Bah, j'ai bien flippé, hein. Tu mérites une récompense, voilà de ma part. Cherche objet, ok. Oh, c'était le combat le plus dur qu'il y avait depuis le début de ce Nuzlocke. C'était vraiment hardcore. Crawler, mais cherche objet dans la poche à objets rares. Ok. Ouf. Oh, j'ai eu peur, les amis. Ouh, que j'ai eu peur. Mais bon, c'est passé. Et oui, le skill, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas le niveau. Le niveau, ça change rien. Et ouais. Quand même, j'ai bien flippé. Hein. Un coup critique, elle nous tuait. C'était la fin. À un coup critique. Et ben voilà. On va se soigner. On va déposer aussi les Pokémon qui sont morts. Alors, déposer. Attendez. En fait, je sais pas qui est mort, donc je vais vérifier en fait. Ok. Donc c'est les trois là et Caniveau il est pas mort. Alors, déposer. Hop. Voilà. Hop là, c'est parfait. On va voir ce que Caniveau il a récupéré. Ok, protéines. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui, je veux les soigner. Ok, c'est bon, c'est passé. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va aller par en haut. On va racheter des potions, là, parce que j'en ai perdu beaucoup. J'en ai utilisé tellement aussi, hein. Allez. Acheter super potion. On va en prendre deux. Et on va prendre une potion, voilà. Ok, c'est bon. Donc on est parti, on va continuer notre aventure. Bon. Le truc difficile, c'est qu'on n'avait pas de Pokémon puissant pouvant contrer son Flobio, donc on a dû faire avec poulet. Mais bon, c'est passé, c'est le principal, on n'est pas mort, c'est parfait. Ah, des Pokémon sauvages, bon on va faire fuite, hein. De toute façon, ça sert à rien. Ouais, quand même, on avait un handicap, c'est qu'on n'avait pas double pied. C'était vachement chiant, ça, de pas avoir double pied, parce que c'est vachement plus puissant double pied que pic-pic. Hein. Quand même, avec double pied, on aurait fait beaucoup plus mal. Donc, c'est pas très cool, en fait, d'avoir perdu double pied. Enfin, de pas avoir double pied. Mais bon, on va rapprendre double pied avec une écaille-cœur quand on pourra. Je pourrais voir tes Pokémon, juste un coup d'œil, s'il te plaît. Ok, bon bah c'est parti pour le combat. Alors, bah on a intérêt de faire XP poulet pour la reine de type électrique qui va arriver. Mais ça va, la reine, franchement, j'ai pas peur parce que le champion a un magnéton et magnéton craint le feu. Donc Flamèche, ça devrait le one shot.
Donc franchement, il n'y aura pas de problème pour la reine. Ah, ça fait déjà 25 minutes quand même, hein. Ok. Bon, lui, on va faire Flamèche aussi. Ok, c'est bon, c'est parfait. Et ouh, 423 points d'XP, pas mal. Bientôt niveau 24, notre poulet. Hop, un autre dresseur. Bah c'est cool, ça fait encore plus XP. Alors faudrait que je capture d'autres Pokémon, mais bon, on va bientôt arriver sur des nouvelles routes, donc c'est pas mal. Parce que là on est un petit peu en manque de Pokémon, hein. Avec deux Pokémon, c'est pas le top quand même. Ok. Puissance caché. Ok, c'est complètement nul. On va le finir avec Pic-Pic. Ok, niveau 24 ou coup critique, parfait. Niveau 24, notre poulet. Oulala, niveau 24, 55 d'attaque SP. Mais il est surcheaté ce poulet. Il est surcheaté. Non, 55 d'attaque. Pas d'attaque SP. Mais il est surcheaté quand même. Allez, on est parti. Hop! Et voilà, et on arrive à Lavandia. Ouais, on arrive à Lavandia. Alors on va récupérer là, le truc qu'il y a là. Vitesse plus, ok. Et bon, on va se soigner. Ouais. On va se soigner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher un Pokémon. Ah mais non, on peut pas vu que on a déjà capturé un Pokémon sur la route. Donc non, on peut pas en fait. C'est con. Ouais, bah on va aller par là. Allez, donc il y a Timmy qui est devant l'arène. Oh tonton, s'il te plaît, je veux me battre dans cette arène pour voir à quel point j'ai progressé. S'il te plaît, je peux. Attends Timmy, depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fort. Mais tu ne trouves pas que combattre dans une arène est peut-être prémutaire? Oui, je suppose, j'ai rien compris. Enfin bref, pas du tout, ok. La force de mon Tarsal. Ok, oh salut Crawler. Je suis devenu bien plus fort que notre dernière rencontre. Acceptes-tu de battre contre moi? Oui. Ok, j'arrive, c'est parti, combat. Alors il a qu'un Pokémon. Il est niveau 16. Donc ça va être relativement facile, hein. C'est... Surtout que c'est un Tarsal. Donc voilà, un petit coup de Flamèche et on n'en parle plus, quoi. C'est... Voilà, one shot. One shot. Ok, trois petits points. J'ai perdu. Crawler remporte. 960, ok. Je veux rentrer à Vergazon, ok. Un machin. Ok, en fait, on s'en fout de ce qu'il dit. Allez, viens, rentrons chez nous. Tout le monde nous attend, ok. Ok. Ouais, en fait, il dit rien, il dit juste rentrons à Vergazon. Donc, on s'en fout. Et nous, on va aller par là. Parce que, voilà, route 117, c'est une nouvelle route. On n'a pas capturé de Pokémon sur cette route. Et donc... On va le faire. Alors, est-ce qu'on fait le combat double? Allez, on fait le combat double. On est des fous. Je pense qu'il va un petit peu morfler qu'à niveau. Mais bon. Ouais, non, Zigzaton et Makuhita. On va tuer le Makuhita en priorité. Et on va faire coupe. Ok, one shot le Makuhita. Niveau 6, niveau 7. Alors poulet, on va faire Flamèche. Et lui on va faire potion. On va faire soda cool. Voilà. Ok, et coupe. Et voilà, c'est parfait. Notre caniveau, il est pas mort. Coup critique, c'est nickel. Et il va passer niveau 8 normalement.
Non, même pas. Même pas, ok. Bon. Pas grave. Donc on va les soigner puisque... Voilà, Caniveau, il est un petit peu... Un petit peu dans la merde. Allez, ok, on les soigne. Ouais, bah pour l'instant... C'est pas que depuis le début du jeu, on a presque que poulet de utile. Enfin, tous les autres de assez bien, entre guillemets, ils sont morts. Donc c'est un petit peu con. Parce que maintenant, on n'a plus que poulet, en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Parce qu'on va en recapturer, surtout que fallait les entraîner, tous les autres, parce qu'ils avaient un niveau pourri. Alors que là, le Pokémon qu'on va capturer, il aura sûrement un bon niveau. Donc, ça sera plus facile. Donc des baies repoids. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Allez. Et bah on va combattre lui. Je suis en plein milieu d'un triathlon. Mais tant pis, battons-nous. Ok. Alors, c'est parti. Dodio. Bon bah ça va, Dodio. Ah, quoique il est type vol, hein. Pic-pic, ça peut faire mal. Oh ça va, il fait furie. C'est complètement nul furie. Ok. Allez Flamèche, et t'es mort. Ok, on a gagné. Ah, encore un combat. Après on va capturer notre Pokémon sur cette route. Tu permets que je vérifie si tes Pokémon se développent bien. Bah ouais. Allez, donc go Elise. Ouais, mais ça va, il est que niveau 12, ça craint rien, franchement. Ok, one shot. Poulet, il va passer niveau 25, c'est parfait. Ouh, elle a 6 Pokémon. Bah, c'est bon, on va XP avec ça. Marill. Ok, c'est bon, il fait charge. Pic Pic, il est mort. Après, alors, Poissirène, Pic Pic, il va mourir, je pense. Ouais, il est mort. Coup critique, c'est parfait. Niveau 25, ok. Balignon, Flamèche, il est mort. Ok, c'est bon. Roselia, Flamèche, et c'est la même chose. Ok. Et pour finir, un Skitty. Ok, donc Skitty, Flamèche. Et il est mort aussi. Ok, bah ça va, il est surcheaté, poulet. Franchement, franchement, je l'adore, ce poulet. Mon starter préféré, je dirais. Hein. Il est imbattable, poulet. Tout seul, il se fait un Nuzlocke challenge, il fait la ligue et tout, tout seul. Tout seul. Ok, donc, eh ben, ça sera un Roselia. Ce qui est vachement pas utile. Mais bon, on est obligé. Donc on va lui faire griffe. Espérant que ça le tue pas. Ok, ça le tue pas. Il fait parasport, on s'en fout. Et on va faire Pokéball. Est-ce qu'il va rentrer? Attention, alors... 1, 2, 3, capturé, ok. Donc voilà, au moins, j'ai envie de dire, au moins c'est vachement utile parce que ça permettra de contrer les Pokémon de type eau que poulet galère à tuer. Donc c'est vachement, vachement utile en fait. Donner un surnom. J'ai fait une boulette, j'ai dit non alors que je voulais mettre oui. Bon bah pas grave hein. Allez, donc on va les soigner. Hop. Puis on va se finir les dresseurs qu'il y a sur la route. Et puis on s'arrêtera là parce qu'en fait ça fait déjà 34 minutes. Donc ouais, on n'aura pas le temps de faire l'arène dans cet épisode. Allez. Donc eux, on les a battus. Lui, est-ce qu'il combat ?
Non, il combat pas. Ok, combat. Je fais du triathlon avec mon Pokémon, ok, on s'en fout. Et moi je fais du je vais te défoncer. Ok, Dodio, pas de problème, on va te faire un petit Flamèche. Tu vas rien comprendre à ta vie. Ouais, voilà, t'as rien compris à ta vie. Hop, bientôt niveau 26, notre poulet. C'est parfait. On va couper ce qu'il y a là. Rappel, ok, rappel. Ça sert à rien. Mais voilà, on l'a pris au cas où c'était un autre truc mieux. Enfin bref. Allez, encore un combat. Décidément, il y a plein de combats sur cette route. Au moins, ça va faire XP et l'arène, ça sera beaucoup plus facile. Si on a un poulet niveau 26 ou 27, ça serait énorme. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Quand même, j'avais bien flippé pour Flora là. Elle m'avait fait ultra peur. D'ailleurs, je disais que on y croit, on y croit. Oula, choc mental, le Papinox. Ouh, il va se calmer. Oh, ça va, ça enlève que 10 PV. Il est tellement nul, Papinox aussi. Faut dire que voilà. Ouh, 500 points d'XP, pas mal. Niveau 26, ok. Et Charmillon. Bon, on va lui faire pareil, un petit Flamèche. Et on n'en parle plus. Ok, 500 points d'XP aussi. Et on a battu le chasseur d'insectes. Je sais pas comment c'est. C'est pas scout. Parce que c'est pas un scout, mais c'est un je sais pas quoi. On s'en fout. Ah, il y a encore un combat. Puis on s'arrêtera là. Parce que voilà, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait 37 minutes déjà. Donc ça fera 38. De toute façon, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais depuis le début, tous les épisodes font 38 minutes, sauf un. C'est un peu n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça fait tout le temps 38 minutes. Je fais même pas exprès en plus. Ah là, ça fera peut-être plus parce que le combat il a l'air long là. Hein. Elle a 6 Pokémon. Chut, ouais. Ok, Flamèche. Ok. Donc on les enchaîne, hein. C'est bien, ça fait gagner de l'XP. Makuhita. Ok, Makuhita, on fait Flamèche aussi. De toute façon, il est niveau 12, donc... Ah, il a résisté! C'est que c'est un costaud, ce Makuhita, hein. Qui me fait penser à un sac poubelle jaune, là, les sacs poubelles de tri d'ailleurs. Ça ressemble un petit peu, je trouve. Et pour finir, Zigzaton, on va lui faire la même chose. Et il est mort. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Parce que ça fait 38 minutes. Et oui, encore une fois, 38 minutes. Tac, tac, tac. Alors on va juste voir s'il y a un truc. Il n'y a rien. Ok, donc bah voilà, on va s'arrêter ici à Vergazon et moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien. Salut tout le monde.